Appuie sur prêt, GT. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez confirmer que GT parle? Parce que je sais pas si ah oui, j'ai bien S, muté. Prêt, oui, GT, il parle. C'est parti. Bonne chance à vous. Super. Merci. Ok, super. Les trois, on va faire de la verticalité là, ok. Donc GT, ce qui est intéressant, c'est que tu fasses... J'ai lancé le live là. GT, du coup, tu dis ton processus de réflexion. C'est ça qui est intéressant. Je filme. Tu dis, voilà, je vais faire ça. Je pense qu'ils vont faire ça. Alors je vais faire ça. Il faut qu'on sache ce que tu penses et pourquoi tu fais ce que tu fais. Non, et eux moi, aussi, je dis rien. Et ceux, ils parlent aussi. Ok, on j'étais pas compris. Banne un Thatcher, on banne un Thatcher. Viens, 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 on tente de banne un Thatcher. Dans tous les cas, je suis sûr que GT va ban le... Je suis quasiment sûr que GT va ban le Jackal. Si je joue solo queue. On mise sur ça, on mise sur ça. Ok. C'est une bonne... Est-ce que je... Rakal, parce que si nous, on joue Jackal contre GT... GT, non, ça va le mettre très très ça. Très mal. Hein. Ouais. Non. Vas-y, exclue comme j'arrive deux secondes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? De toute façon, je suis qu'en attaque, non? Non, je suis en attaque défense, hein, Lynx. J'ai mis un mode spécial, tu vas voir comment c'est. Ah, d'accord, ok. Quel est le meilleur agent pour. C'est peut-être détruire des murs à... détruire ban, des murs mais à distance okay. Renforcé ou pas en faux à la limite, c'est pas grave, gage du Ibana. Ah non, je porte tout seul. Ouais, je pense que je vais prendre Ibana. On exclut qui? Ah ouais, je n'ai aucune idée. Viens, on tente. Qui aimerait jouer en défense? Viens, on tente le mute, on enlève du mute. Vas-y. Parce que si on enlève le Thatcher, autant enlever le mute, hein, comme ça. On aurait pu enlever les ions, mais les ions. Les ions, on peut le jouer aussi, c'est. Ça dépend de ce qu'on fait. On commence en défense. On... Ouais. Tu veux tenter un billard, Nitro? Billard, Mira, Mira Castle. On tente. Ok, let's go. Tu veux Mira ou quelque chose? Alors, ne sachant pas trop où aller, je vais me spawn chantier comme on a l'habitude et je vais prendre Ibana. Et j'ai pas eu le temps de sélectionner. C'est pas grave pour la première fois. Le billard, l'entrée bar Mais je vais changer d'agent. Et l'entrée main. Bam, allez hop, voilà. Ouais, je vois. Entrée bar et entrée main. Comme ça, nous, on reste cloîtré dans le billard. Ok. Enfin, dans bar. Allez, c'est parti. Non, pas ça, pas ça. Pas ça. Je vais main comme ça. Ouest, nord. J'ai le plus de possibilités de bombes pour moi. C'est sud. Donc, il me semble avoir vu Mira main. Ok. Allez, je vais rentrer par striptease. Pour confirmer la position billard de la bombe. Et c'est bien le cas. Je vais safe mon drone. Je sais quels sont les agents sur le radiateur. Par exemple. Et je sais qu'ils ont pas. Ouais, mais le problème c'est que je sais pas sur quoi je vais tomber. Et vu que je joue tout seul, je préfère garder mes deux drones. Et pas rentrer sur le site le sacrifier. C'est parti. Destruction des cams défauts. Hop. Go. Ok, nice. Alors, je vais checker les cartes. Réfléchissons par là où je vais pouvoir passer. Donc, les bombes sont main et autrement, chien, chenil. Alors, je vais tenter le chenil. Je vais tenter le chenil tout seul. Hop, nice. Destruction encore des cams. Hop. De toute façon, je fais un tour de rotation ici, ça veut dire que depuis le lounge, il peut avoir... Et redestruction. Je vais sur un jeune box. Je vais mettre ma clé... Ah non, j'ai pas de clé mort. Je vais mettre safe et je vais voir ce qui se passe. Hop. C'est parti, drone. Vas-y, je prends les cams. Ah yes, Mutsu, on est en train de faire le training. Alors, je vais avoir une mira en face. Pas d'info, il est... Donc, autrement dire...
Je vais peut-être essayer de la... Il y a deux contre... deux contre un... Il va pas spot. J'avais envoyé à FK. Oui, oui, j'ai reçu, hein. on a tout de suite pris les dispositions. On avait donc ils savent que je détruise déjà là. Donc ça peut possiblement sortir ici et à cette fenêtre. On a entendu des bébés crier, on a compris. Ils veulent pas venir me chercher. On vous entend les gars. Tout à côté, ouais. Ah, il a une Ibana, il va nous Ibana la gueule. Hop. Aïe aïe aïe. Ah, ça mute. Ok, pas de soucis, ça mute. Joue dangereusement. Je passerai finalement garage. La drop, j'ai fait une trappe hein, sur. Okay. Ça va, ils sont pas sortis. Je saute. Bien reçu. Je passe par le bleu. Ok. J'ai tenté de sortir au mise garage. Allez, go pour B. Je laisse mon drone. Tu confirmes qu'il est sorti garage, remise garage. Chargeur pour moi. Est-ce que ça a bougé? Faire la sortie garage, c'est plus. Pas plus. Faudra que je détruise la cam défaut. Je mets des balles. Tu vois quand tu sors que je fasse du bruit. Je rentre. Ça vient me chercher. Ah, mauvais son. Ah, bien joué. C'était pas mal. Franchement, c'est intéressant de vous entendre tous les parler et tout. Vous allez kiffer la vidéo, je pense. Je vais filmer si vous me suivez. Ouais, c'est bien parce que on a le processus de réflexion et ça te permet de voir à quel moment et dans quel timing t'as eu une bonne ou pas une bonne idée. Mais qui, putain, il est sorti par où? Tout là-bas et je l'ai entendu ça, que maintenant. Idée, virtuose, merci. Il a fait chenil, il est sorti chenil. Non, il est sorti chenil, après il est revenu dans le garage. Ah. Sport, allez. Bon, attends, on va refaire une mira. Chantier toujours pour moi. Ah, bien joué à lui. C'est du fake là, on va faire le 6. Ah, ok, tu sais. Bien reçu. Putain, je l'ai entendu, je l'ai abusé. Je change d'agent, pourquoi à chaque fois je peux pas attends. Hop, Ibana. On est sport, je prends mira, des choses, évidemment. Vas-y. Tu veux essayer de faire une. Putain, mais ils doivent s'ennuyer, non, Lynx, de l'autre côté. Tu prends le. Donc toi tu peux rester. Ah non, il s'ennuie par un ticket qui. Ah ouais, non, parce qu'il dit, mais. Ça bosse, hein. Il bosse de ouf. Tu les bosses de ouf. Allez hop, je repasse main. Boum, même réflexion que tout à l'heure. Un peu plus dangereusement. Tac, du coup, ça sera pas main. Je vais monter billet. Il y a plus de chances qu'il soit billet qu'à. Ouais, quoique non, peut-être pas. Que garage, que sous-sol. Et c'est pas sous-sol, ok. Allez, j'ai perdu mon temps, c'est pas billet, j'ai perdu mon temps. Hop, je vais en dessous. Alors en dessous, si je passe... Confirmez que c'est en dessous quand même, vite. Putain, c'est pas en dessous. Merde. Où est-ce que ça peut être? C'est pas billet. On est pas dans le timing là. Merde. Ils sont où ces... Ils sont où ces petits méchants? Cam défaut. Où est-ce qu'ils sont? Attends, j'entends des coups de pompe. Bon, je vais sur le toit. Où est-ce qu'ils sont? Donc, dans ces cas-là, ils sont peut-être lire renversé tout ça. Allez, on va détruire les caves qui ne voient pas trop dessus. C'est un thermite. Voir si la 6-pick, c'est un thermite. Ouais, j'entends des coups de pompe, ok. Alors, réflexion, il n'y a plus de trappe ici, la map a changé. Je l'ai entendu. Mets-moi un drone sur l'allemande, parce que si on perd l'allemande, il a une mira. Il va falloir que je les fasse. Je pense qu'ils sont là. Ouais. Je pense que c'est ici, les renversés. Mets-moi un drone. SK. Allez, je détruis là, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher, à mon avis. T'inquiète. Et je vais quand même confirmer le BP. Je lui mets des petites balles vite fait. Il me semble que c'est tout le temps intermittent au bruit de l'arme. Ah, y'a un écho. Il drone. Bien joué à eux. Dans la salle de sport. Alors, je vais quand même. Okay. C'est quoi, je vais faire le truc. Donc, l'écho doit être bien caché derrière son bouclier. Ok, ça marche. Il est WC. Et il détruit mon drone. Ok, et l'autre, j'ai aucune info. Si je me mets terrasse, c'est très dangereux, sachant que je joue tout seul. Lynx m'avait déjà dit de... Je vais essayer de mettre les deux. Je vais tomber là. Je me suis fait avoir par un body comme ça à un moment là. Je voulais. Est-ce que j'ai encore mon drone à... Ok. Si
Ah merde, ok, par là-haut. Sa charge va mettre beaucoup plus longtemps à se poser que une charge. Il est renversé, je vais tenter une insertion serveur. Ok. Ça drone, ça, là. Les deux ça sont drone. Là. Echo garage. Echo salle de bain et Ibana de l'autre côté. Donc si je rentre. Par là, je suis safe encore une fois. Il est en train de travaux. Hop là. C'est quoi, je viens. Et là, reprise de contact. C'est bon. J'ai un visuel parfait sur Escanor. Ok. Mais je vais pas mettre mon drone sur place. Est-ce que le mur ici, il est pas en fond? C'est bon, je vais le faire. Encore 15 secondes. Celui-là aussi. Allez, j'y vais. Ah mince, ça servait à rien ce que j'ai fait. Je pense. Ils savent d'où je viens. Ils ont forcément la ligne. C'est parti, je joue le kill. Ouais. Ah là là. Je prends trop de temps. Ah, ils savaient d'où je venais, c'était sûr. Ah, tu vois, Mike, c'est pour ça que je suis pas par là. Parce que. Des fois, les mecs reviennent accroupis, quoi. Tu joues comment? Comme non, mais ça, je t'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. Hein, oui, mais... non, mais. J'étais voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le BP le plus le plus près. On fait une salle de surveillance et reprend un pulse. On fait une full turtle en bas. Okay. Je pense vraiment qu'ils peuvent venir me chercher, on est d'accord. Ils jouent comme ils veulent. Ils jouent comme ils veulent, tout est possible. C'est la victoire. Ils ont pas de restrictions, ce que je me dis. Non, ils ont pas de restrictions. Ok. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, exactement. Putain, c'est quand même bien ce mode. On part très loin. On part très très loin. En début de round, on part très très loin. Comme quand je avant que quand tous mes potes sont partis là, un an et demi de jeu, je faisais de la solo queue. Ouais. On part là. Allez, bon, pourquoi mon drone il spawn toujours main? Ce qui est bien, c'est qu'on voit comment tu réfléchis et du coup on peut plus facilement optimiser tes choix, dire là c'était bien et ce qu'il a loupé, c'est vraiment bien. Y'a mon drone va être détruit. Ok, ils descendent d'en bas, donc ils sont re... Enfin, ils sont billés, là. Billés. Eh ben, est-ce que je tente la même... Ah, je peux les brain pas. Attends, je vais essayer de quand même un peu de tricher. Je vais ouvrir... Je sais qu'ils vont tenir escalier. Non, c'est même pas la peine de renforcer. Je vais faire chantier. On joue juste la plante, hein. Je vais faire chantier. Je détruis les cams défauts. Hop. Il a spawn sur Nord, chantier. Bien reçu. Porte Nord, chantier sur moi. Il me semble avoir vu les pieds de quelqu'un. Ah putain, mec. Moi j'arrive est. Hein. J'arrive pas est. J'avais pas compris que tu avais dit. Et non, manque de peau. Alors. Non, on recense pas le garage. Ce que je voulais faire. T'as mis la barrette 4, quoi, je veux dire. Ok. C'est que je voulais simuler un passage. David, il y a des balles là, sur cette porte. Ouais, je pue. Top. Par serveur, alors qu'en fait, je vais remonter par les SK. C'est pas grave, laisse-le rentrer sur le site. Non, mais je garde la réserve parce que c'est l'endroit le plus sensible. Réserve SK, c'est l'endroit le plus sensible. Hop. Ok, aussi. Et là, il y aura quelqu'un. Ah, ils ont castle là, d'accord, ça marche. Putain, bien joué. Je pense qu'il y aura du monde. Il est où? Il est bas? Au drone. Ok. Ah, je vois tes petits pieds, mec. Alors là, hop, je sais ce que je vais faire direct. Ok, il contourne le garage. Ok, il va vouloir aller à garage. Si tu peux renforcer ses murs, on y trouve. T'as le time. Ouais, t'as le time. Okay. Prends la cam garage pour voir si jamais. Si jamais il me push. Garage, aucun visuel. Il est toujours en emplacement. Ok, cool. Je pense qu'il a peut-être. Faut pas que je le perde. Je crois que je vais voir s'il est pas. Ah, y'a Pulse. Ah, l'enfoiré. Ah, tu sais que je suis là. Hein. Tu sais que je suis là. Aucun visuel remis. Tu sais que je suis là. Mais regarde ce que je vais faire. Je vais faire une décale tir. Ah, ok. C'était Castle. J'avais pas pris ma faute. Oh, la honte à moi. Et il sait que je suis. Pourquoi il a eu. Pourquoi il casse seul, il peut pas venir me chercher à part le haut. Il a une Ibana, le top 1. Je vais en garder un. Terrain, là, non. Et je vais brain. J'écoute. Et je vais passer. Putain, 50 secondes, allez GT. Je le vois, il est main. Je déclenche. Main côté ouest.
côté ouest. Je déclenche là aussi. Peut-être au moins on sortira. T'inquiète, t'inquiète. Et après cavale. Il a pété. J'ai la ligne sur la porte ouest. Il a pété sud. Il doit être sur le main. Putain, j'ai plus de. Je répète, il a pété sud. Est-ce qu'il est là encore? Il décale. Je l'ai si. Putain, j'ai plus de. Ah! De toute façon, j'étais forcément censé avoir un contact là. Il a combien d'HP? Ah, bien joué. Ah, ils étaient les deux là, hein. Putain. Ça a bien marché, mon brain. Mon brain garage, Lynx. Ils avaient pris des lignes dessus. Non, parce qu'il t'a tout de suite redroné. Recapté au pulse. Ah, de l'autre côté. Ah, merde. C'était nice la diversion. Je veux faire une Twitch. Ils ont kiffé la diversion, mais ils sont captés direct après. Ils ont kiffé, d'accord. Non, mais je dis, mais qu'est-ce que je vais. Je vais pas prendre un bandit, mais sans déconner. Ah, mais je peux pas changer là par contre. 104. Oh, ah, si, changer d'agent. Il faut que je me sécurise un max des. Pour le début et après on fait un rush. Un max d'entrée. De possibilités d'entrée sur le site. Du coup, castle. Genre, je veux dire, après on essaye sans. On verra. Du coup, faudrait que je déclenche plus avant. Le serveur. Alors, si je brain. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ici? On prend garage. Attends, répète, je parle à ma mère. S'il est salle de surveillance, au niveau du salle de surveillance. On prend le garage, lounge et SKS, ok? Et on fait la plante habituelle mais par le garage. Là, je vais me sécuriser là le dos. Oh yeah, il a pris le bar. Oh, let's go. Est-ce qu'on peut faire notre start sur le bar à deux ou. Mais... Faut qu'on prenne possession. Ici. Il a mis les mêmes. Ah, il a pas mis les mêmes. On va au top. Je box, tais-toi. Hop. T'as des... Et là le long, comme ça je serai. Ok, on va au top, t'as pas ça avec moi. Qui joue non, le non, long. Je hop. J'étais en train de parler à ma mère. On va au top. Je vais faire ma max de trucs. On va jouer la verticalité. Ouais, attends, déjà je vais. Et je soune de déjà. Je vais passer à la porte B. Où est-ce qu'ils sont allés? Vite. Je me tase un peu. Je me fais tase. Ok, on va au top, on prend le garage, faut qu'on prenne le garage. Je me fais tase la gueule déjà. C'est une blague. Ah mais. Alors là, par contre. Non, Christophe. Où est-ce qu'ils sont? Non, c'est pas de choc là, c'est pas parce qu'on a gagné des rounds qu'on peut faire la merde. Non, non, mais c'est moi, j'ai fait un misclick. Ah, pourquoi il est à. Ils sont sur le toit, ok. Twitch toi. Ah non, je suis désolé, c'est un faux move de ma part là, le tombé du rock. On perd du temps, mais vraiment pour rien, c'est abusé. Et j'ai plus d'infos calme. Allez. Ça va tout être au son. J'ai envoyé un drone déjà. On va garage. J'ai qu'à celle-là. C'est ouvert, hein, la porte de nord. Ok, j'ai pas visu sur. Il a fait un coup. Je vais essayer de le. Okay. Ok, moi je vais drone le top, comme garage. Yeah. Il est junk box. Bar. Ok, je vais te faire l'ouverture. Ah, je peux peut-être prendre une Valkyrie, mais j'ai pas le temps, je vais Valkyrie tout seul. Moi je vais travailler sur le garage. Je me mets remis garage. Tu prends la position Zofia, ok? Ouais. Go pour Zofia. C'est toujours Castle. J'arrive. Et après moi je vais travailler et le là, top. Et là c'est ouvert, ok. Je vais travailler le top. Tu restes sur ta position de garage et ensuite vas-y. On va planter. Vas-y. Fait. J'ai un putain, visuel. Je sais pas où ça a pété. Okay. Gros stress. Alors, est-ce que tu sais où il est à peu près ou pas du tout? La dernière fois que je l'ai vu, il était box, junk box. Recam, mais à mon avis. Ah, garage, ok. Garage. Ok. Un au top et un garage. Ah ouais, ok, ça marche. Je me positionne en conséquence. Sur Bravo. Je confirme que j'ai un mini visuel sur Bravo et Kitchen. Je vais ouvrir la trappe sur. Ça fuse. Sur Alpha, là. Non, ça fuse pas. Il y a rien à la trappe Alpha. Recharge. Ce que je vais faire, c'est qu'on va planter sur. J'entends quelqu'un. On va planter sur Bravo par le lounge. Okay. Et tu vas, viens sur le top avec moi, 20 secondes. Tu prends le top, j'ai fait un trou pile là où je vais planter, ok? Non. Encore sur le top avec. Ouais, c'est pas, on ça va, cette plante, je me positionne. Enfin, ça a pas plante, ça sert à rien ce que je fais. Tu prends Bravo. Et tu
plante dans le corner, bravo. Bien reçu, sur mon ping. Je vais te couvrir par le dessus, ok. Twitch sur moi. Ok, ok, je te couvre par dessus. Ça plante ici. Oh non. Eh ouais, tire croisé de l'autre côté. C'était limite, hein. C'était limite. Ah, tellement j'avais l'impression de bien jouer. C'était limite. Ah, je le savais qu'elle a, je l'ai vu passer, je l'ai pas eu. Ah, dommage. Bien joué. Tu peux non, démuter pour débrief avec eux. Et après, ouais, monsieur. Allez, je me démute. Monsieur, on a fini. Là, je vais perdre énormément de temps. Ah, ok. Là. C'est bon, j'ai démuté. Retour au menu. Ah non, faut pas faire retour au menu. Ah, pardon. Ah, mais je pensais qu'on débriefait. On relance une partie. Bah, on peut relancer, on a le temps. Non, mais tu débriefes en restant dedans, je te réinvite. En vrai, elle est cool, la note. Ah, pardon, ok. Démute tout le monde. Essaye de mettre la charge un peu plus à droite. Mais par contre, c'est pas la peine de me dire de venir avec moi. T'as juste à aller sur le top, en vrai, t'inquiète. Ouais, je vous entends, ça y est. D'abord, GT fait son premier ressenti. Qu'est-ce que t'as dit? Les premiers trucs qui te viennent, y a pas. Qu'est-ce que t'as ressenti? Les premiers trucs qui viennent, gros manque de temps. Gros manque de temps d'exécution, tant que je fasse mes... Manque de temps, tout simplement. Tant que je fasse mes... Ça n'existe pas, le manque de temps. Ou je prends, ou je n'ai pas les yeux assez sur le compteur, effectivement, de temps. Voilà, mais après, voilà, c'est le premier truc qui me vient déjà là, à l'esprit. D'autres trucs que tu veux dire qui te viennent C'est pas simple tout seul. Qu'est-ce que... Le Taz, là, le Twitch, c'était pour m'embêter, hein. Vous étiez deux quand même. Ouais. Vous étiez en supériorité numérique. Bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Bon, ça m'a pas bien... Ils ont été détruits. C'était pour foutre une pression. Après, voilà, j'ai bien. Je savais que t'étais entre le castle, là où tu m'as tué un moment, là où t'étais accroupi côté bombe chenille. Je savais qu'il y avait quelqu'un là qui m'attendait. Mon brain n'a pas marché. J'ai déclenché les deux Ibana en même temps. ça c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, j'ai bien. Je pensais bien. Globalement, je disais, je vais m'insérer là, et après, je faisais pas du tout ce que j'avais dit en fonction des infos que j'avais. Ouais. C'est chouette expérience. Hein. Chouette expérience. Je parlais bien tout seul. Ça me rappelle les fois où je jouais tout seul à solo queue à un certain moment. Voilà. Ouais, bien joué. Vous voulez dire d'autres trucs? Des remarques que vous voulez faire sur ce que vous avez fait, sur ce qu'il a fait? Après qu'on enchaîne, en attendant que Motsu arrive. Moi j'ai trouvé vachement bien son bait. Je t'ai invité, Motsu. J'ai trouvé vachement bien son bait sur le garage. Moi je suis là. Non? Mais pourquoi je te vois pas? Mais moi je te vois pas non plus. Hein. En fait, ah oui, il est là, je viens de le voir, faut regarder dans le truc. Bah il manque GT alors, c'est GT qui manque. Pardon, excuse-moi, je suis là, c'est bon. Oui, il est là. C'est bizarre. Je sais pas si c'est bugué parce que moi je joue tout seul là, non? Ça y est, voilà. Vite qu'on puisse enchaîner. Donc en fait, c'était un peu la galère sur le dernier round là. Enfin, en fait, de base, j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai fait une erreur de touche et je me suis mis à terre. Ça, c'était vraiment une grosse erreur de ma part. Et le fait, en fait, de base, je voulais le travailler sur la verticalité. Et c'est juste à la fin, dans les dernières secondes, que je me suis dit, mais attends, la porte là où j'allais fermer. Là, sa seule manière d'arriver sur le site sans qu'on le remarque, entre guillemets, c'est de passer par son propre... La rotate, ouais. J'avais fait déjà jouer le top sur la verticalité, c'est-à-dire que toi, tu pouvais planter dans l'angle et moi, je pouvais te couvrir instantanément dès qu'il piquait, quoi. Mais ça, ça m'est venu à l'esprit qu'une fois que j'avais joué la verticalité, je fais « Ah putain, on peut faire ça !» Et c'est pour ça qu'au final, on s'est précipité un peu sur la fin et... Moi après, bien joué à vous. Moi je pensais vraiment que j'allais empêcher la plante. Hein. J'étais sûr de mon coup. J'ai fait non. Ouais, c'est que tu m'as vu, mais j'étais stressée. En fait, Virtuose. Je savais, je t'ai vu passer en plus. Ouais. Dans l'angle droite. Virtuose a voulu m'aider en couverture, tu vois, pendant que je passais. Sauf que ça aurait été. En fait, on a tellement perdu de temps qu'on s'est focalisé sur le bas. Mais Virtuose aurait dû tout de suite aller en fait en haut et carrément me cover depuis le haut. Ouais. Et moi, enfin, on a juste manqué de temps à la fin, mais sinon. Ça peut mieux se réaliser, quoi, ça. Mais toi, tu t'aurais pu sortir, en fait, par la porte couloir kitchen. T'aurais pu me tuer, et là, Virtuose n'aurait pu même pas me tuer. Ah, exact. Parce que logiquement, depuis le lounge, en fait, de un, je l'aurais entendu, parce que la brigade, et de deux, comme toi, normalement, tu devais planter dans l'angle
Il aurait galéré à... Et ouais. Ouais, mais j'aurais peut-être cassé la barricade, mais tu sais pas d'où ça venait parce que j'avais des impacts. Et oui. J'avais des impacts. Uh-huh. Mais en plus, comment dire, on avait anticipé dans notre strat qu'on avait fait avec Virtuose de mettre une clé mort, tu vois. Une clé mort à la sortie kitchen. D'accord. Pour anticiper ce genre de truc. Mais vu qu'on a perdu du temps, on a dû faire le truc plus vite. Okay. Mais tu vois, t'aurais pu quand même sortir par là, mais je pense. Alors, deux dernières choses. Je vais avoir l'analyse. Donc, quand vous étiez en défense, les attaques, comment vous le jugez sur les attaques, vous deux? L'attaque, franchement, moi, ça a mis vraiment un petit coup de pression, le Ibana, qui a pété le garage, parce qu'on se sent tout de suite moins en sécurité. C'est vachement bien joué, ça, je trouve. Et sinon, je trouve qu'il a fait les attaques un peu trop tard. En même temps, c'est pas facile. Mais je trouve qu'il fait les attaques un peu trop tard, moi, je trouve. Mais par contre, tu as dit trop. Je sais pas si tu as capté l'information, mais j'avais vu qu'il avait déclenché et la porte et le garage. Ouais. On avait des manas, mais je te l'avais déjà dit de base qu'il était main. Il rentrait main. Ça veut dire que c'est main et qu'il déclenche les Ibanas sur le garage. Ça veut dire que c'est un main. Ouais, de toute façon, j'avais repris mon pulse. Donc. Ouais, là-dessus, c'est vrai, la remarque de Virtuose est vraie, c'est que Virtuose t'a sécurisé, il disait, t'inquiète pas, il est pas dans le garage, il est main. Je sais pas si t'as pris en compte l'information, ou s'il a dû quand même que tu prennes ton pulse pour te rassurer. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses confiance à ton mec. L'autre critère, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a le temps, l'autre critère qui fait que, il faut juger en fonction de la dangerosité de la plante. C'est-à-dire que là, oui, il fait des trous en bas, mais est-ce qu'il plante? En fait, il aurait pas du tout. Vous étiez pas du tout en danger sur site. Vous étiez tous les deux en bas. Et en fait, t'aurais pas dû faire tes Ibana là où tu les as fait. Fallait les faire au-dessus du garage pour avoir une possibilité de rentrer dans le garage. Là, t'es allé jouer le kill et t'as fait un super mauvais choix. À 2-1, ils t'ont violé. Tu serais monté, t'aurais fait les trous au-dessus. Tu serais allé sur site. T'aurais posé par exemple au-dessus de la table de A, le temps qu'ils montent, qu'ils comprennent, t'aurais beaucoup plus gagné. Donc après, ils ont fait un pari de jouer en bas. Toi, t'aurais dû capter qu'ils étaient en bas et ah bah cool, bah y a personne sur site, je vais sur site. Et toi, tu as voulu jouer le duel et t'as perdu à chaque fois. Tous tes choix n'ont jamais été sur comment je vais planter. Jamais tu t'es posé cette question, GT. Comment je vais planter ? Je reviens de vous. Il s'est jamais dit comment je veux gagner. Il s'est jamais dit ça à aucun moment. J'étais. Tu t'es dit à un moment comment je dois gagner, GT? Non. Enfin, comment je dois gagner. Là où je dois planter, ouais. Comment je vais faire pour gagner? Tu t'es déjà posé cette question? Là, tout à l'heure, là, non. Pas du tout, non. T'étais que dans le qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, tu jouais en fonction de... Là où ils étaient positionnés. Ouais, voilà. Tu faisais que d'aller là où étaient les mecs. C'était ça ton seul driving. Et c'est pas la vision qu'on a. En tout cas, t'as essayé, t'as vu, t'as perdu quoi. Après, tu peux essayer 1000 fois. Si eux, à chaque fois, ils se coordonnent, si tu mets tout sur le shoot, ça va être difficile. Hein. T'as vu sur la porte, ils étaient chacun d'un côté de la porte. T'en tuais un, l'autre te tuait quoi. Et puis t'avais pas de temps. Et puis il faut encore que tu plantes. Après, tant que tu n'as pas emmagasiné ça, faut qu'on refasse, faut que tu abandonnes cette idée de « je vais jouer des duels et puis je vais en... » T'as dit « il faut que j'en chope un ». Tu vois, donc tu étais encore dans la logique « je vais en choper un, après je vais en choper un autre et puis je vais faire les 5 1 à la suite comme ça ». Au lieu de te dire « ok, je suis seul, par où je peux passer et planter et me casser sans me faire tuer ». Surtout qu'avant de commencer, j'ai dit « moi j'ai fait 1v5 et moi j'ai planté et je me suis barré ». Donc je mets en avant la plante, c'est ça qui fait gagner. T'as pas cherché à savoir où planter, t'as essayé et ça a pas marché. Qu'est-ce que je vais dire? On peut faire un truc. On peut corser, faire 1v3. Oh là, merci. On peut corser, faire 1v3. C'est pas cool quand on est 1v3, je vous le dis. Hein. C'est vraiment pas cool. On peut faire. Il a dit qu'il était à l'aise avec un bouclier. Après, je dis ça, je dis rien. tu veux tester le maître des coins, comment on l'appelle, des coins confinés. Du coup, il y a quoi? Il y a la possibilité de faire 1v3. On peut faire 2v2.
Parce que là aussi, ça te fait peut-être GT travailler la coopération. A voir. 1v3, 2v2, comme vous voulez. Moi, c'est comme vous voulez. Hein. 1v3. Ok. Allez. Bonne chance, Motsu. Motsu, ça va être dur. Ça va être... Motsu, il va faire le héros. Allez, bah, je mute Motsu, alors. Pour montrer. Alors, du coup, ouais... On va faire le 1v4, alors. Il veut faire le héros. Ah bah non, bah non, bah ça, attends, ça peut être bien ça. Vous deux... Tu sais que je regardais là, le stream là. C'est vrai, j'étais, pas t'as pas mis les chances de ton côté pour gagner. Hein. Ouais. Écoute ce qu'il t'a dit là, que je suis tout à fait d'accord avec lui. Et t'as la vidéo, tu pourras revoir. T'as pris le chemin du duel. Il faut, enfin, c'est pas le bon choix. Du tout. Tu pourras regarder après GT sur Twitch si tu veux. Ouais, je reviendrai dans la semaine, ouais. Qu'est-ce que je voulais demander ? Ouais. Il y a Arthos qui veut jouer. Qu'est-ce qu'on on peut faire... comment on appelle ça ? On peut faire Arthos et Motsu contre vous trois. Sauf si Motsu veut tenter son 1v3. Allez, bah dépêchez-vous parce que ouais, du coup, moi, c'est ma dernière. Ouais. Allez, si vous voulez Arthos, vas-y avec Motsu si ça te va. 5 contre Motsu. Ça lui ferait une belle expérience. Moi je prends. Hein. Tout très bien, ouais. Intéressant. Voilà. Putain, c'est... C'est une flamme. Mais faut que tu changes d'équipe, GT déjà. Change. Ouais. Espace. Hop. Alors, matchmaking. Je change. Arthos, j'invite Arthos. Comme ça, ça sera bien là, voir comment le feu tombe. Sauf si vraiment tu veux faire le 1v3 d'abord, Motsu. C'est comme tu veux. Non, mais GT, il aura pas trop le temps, il a dit. Donc, Ouais, moi là, c'est ma dernière et encore je rallonge. En fait, vous. Ben reviens vite alors Arthos, comme ça tout le monde joue. Au pire, on a qu'à faire le... Voilà. Le 1v... Moi je vais... Voilà. Ouais, du coup, faut que vous vous mutez, Motsu, ouais. Vous mutez GT... Ouais, on se mute mutuellement. Virtuose, voilà. Arthos et Motsu, c'est ça? Ouais, voilà. Non mais tu dois être avec Motsu, Rila. Rendre muet, Motsu. C'est bon, dès que vous avez mis les petits points OK, rendre je balance. Muet, Arthos. C'est bon. Moi, c'est bon, les gars, j'ai muté, c'est bon. Vas-y, Virtuose, go, prêt. Motsu est pas prêt encore. Et Motsu est prêt. Allez, me mets prêt, moi. Hop. Ah merde, j'étais déjà. Boum, tac, tac, voilà. Bon, plus que Motsu. Mais Motsu est pas encore prêt, ouais, j'attends. Prêt. Ça y est. C'est bon. C'est parti. Ouais, mais franchement, j'ai hâte de l'avoir. Allez, les gars. Il a un bouclier. Il a pas une... enfin, il a un fusil d'assaut comme Jäger. On prend en basement. Ok. Là. Il a un fucking... on fait pour l'instant. Est-ce qu'on innove pour le basement? Ouais, il a des touch, trucs sexe. Le touch, ouais. Est-ce qu'on innove? Qu'est-ce que... Tu veux innover ou faire une classique? Ah bah il faut peut-être innover vu que c'est des plus expérimentés. Non. En vrai, on innove et on essaye d'être le plus parfait possible. Vas-y, tu veux... Non, on reste classique, ouais, on essaie d'être le plus parfait possible. Ok. Qui est Takaï de Nitro ou pas? Ou alors on laisse Jackal. T'as Mirage? Non. Ah, j'étais Takaï. J'ai tous les, tous les agents, moi. Ok, tu sais quelle trappe il faut renforcer sur le top quand on est... Oh bah après, je veux kitchen. Les trouver, ou tu me les ping. Ouais. Tu renforces la kitchen et le bar. Ouais, kitchen, ok. Et je prends Kaïd alors du coup ou pas? Ouais. Je prends Kaïd, allez, ça marche. Ah, mais du coup, il faudra amener. C'est vous qui allez les faire, les trappes, parce que moi je suis trop lent. S'il maintient. Non, c'est toi qui vas les faire. Ah, moi qui vais les faire, ok. Faire tu prends ton pistolet, prends ton pistolet, tu courras plus vite. Et je cours, ok. Et tu vas faire la kitchen, donc tu sais, tu passes par main. Hein, tu vas... Ouais, pas de soucis. Tu vas SK West. Enregistre en remontant de SK West à la cuisine et après t'as le bar. Ça va être chaud là, les gars. Ça va être chaud, vraiment. Là. Si vous jouez ensemble, vous pouvez les battre, hein. Vous pouvez les battre easy, hein. Mais coordonnez-vous bien. Si vous vous coordonnez pas, ils vont vous violer. Voilà. Voilà, c'est bien dit comme ça. Non, enlevez bandit. Enlevez bandit. On enlève tout bandit trick. Pas de bandit. Tester le écho. Le écho Arthos. Ok. Donc si on peut le sortir un moment, ça peut être cool. Ok, ça. Ok, donc du coup. Allez. Tu gardes l'armurerie, ok? Ouais. Tu regardes l'armurerie.
Agressant. Avec, tu l'as, je te l'ai montré ma ligne hein, pour avoir une ligne sur bloc. Tu prends l'armerie. Putain, on a pas de. Je suis pas habitué et après, tu les cahiers par en dessous. Mais voilà. Et après, tu restes avec. Après, tu vas rester avec moi sur. Mira, truc, sur BP, boum boum. Okay. Sur la church, ouais. T'as changé ou pas? Ouais, ouais. Allez, les gars. Mais camouflage. Maverick. Enfin, non, mais du coup, j'ai juste utilisé le changement, quoi. Pour pas qu'il. Putain, là, ils savent quoi faire, tu vois. Tiens, avec la reproduction qu'on a, c'est bon, obligatoire, on prend l'église. Hein. Je me dirige vers les trappes. Ouais. C'est en bas. Mais t'as absolument les trappes, les gars. J'en ai loupé un, hein. Il arrive vers SK. C'est pas grave. Ouais. Je le prends pour l'SK West. Ok. La deuxième, tu sais où aller, je vais te la piguer. Ouais, ouais, c'est bon, c'est celle qui est vers le jukebox. Ouais. Exact. Allez, les gars. On les pète! Y'a Cade qui va foutre la merde. Allez, si on pique tout comme. Et tu reviens vite maintenant, tu reviens vite. Allez hop! Il reste 5 secondes. Allez hop! Barre, elle est et c'est good. Alpha, les gars, si tout va bien, y'a pas de résultat. Je vais aller stock, je vais faire la trappe dans la. Oui. Attends, il faut que je renforce la trappe 2 secondes. Quelle trappe? On a plus le temps là, y'a un Maverick en face, dans tous les cas, il peut ouvrir la trappe. C'est bon, hop, allez. Je barricade la grotte, on sait jamais avec le Maverick. Prends le bleu tout de suite. Je vais rester sur le coup. Ouais, avec toi. Les gars, ils peuvent rentrer, tu parles qu'à seul. Ok, y'en a déjà dans le bleu. Je vais pas sanctionner, je remonte. Qu'est-ce que tu fais? Va avec Virtuose. Je vais avec Virtuose. Reste sur un drone. Je reste sur un. Je vais aller faire la trap kitchen. Je vais t'aligner sur le top. Non, sur le top. GT, tu peux prendre les caméras s'il te plaît. J'arrive. Top kitchen, kitchen. Le bar est Cade. Hein. Ah ouais, mais ils peuvent péter la trappe. Ouais, ils ont le. Ils ont le Maverick. Peut-être. Ah, ça m'a. La trap bar est en train d'être Maverick. Ouais, la trappe mémoriale aussi. Ah, ah et l'autre. C'est la trappe barre, c'est la l'autre aussi. Ils sont en train de faire le castle, ils sont en train de faire le castle west. Il a du C4. Ok, reçu, vous avez tout. Ouais, Kade, ouais. Ils sont en train de faire le castle west, hein. Ça va attaquer. Et ils sont en train de faire ta trappe au-dessus, Nitro ou pas? Non, non, pas ma trappe au-dessus. La trappe elle veut pas se péter? GT, reviens avec moi s'il te plaît. Je l'ai vu sur mémorial. Tu prends le bleu. Tu vas derrière la bombe, tu prends le bleu s'il te plaît, ok? Tu prends le bleu, derrière la bombe. Prends le west. Prends le dégâts, le Maverick avec tes Cade, il prend les dégâts. Super. Ouais, c'est plus chaud d'ouvrir les trappes maintenant, c'est beaucoup plus chaud. Il a ouvert la trappe et ils ont ouvert le west. Ils ont ouvert le west, ça t'a fait des gros travers. Si ça passe, il meurt. Arthur, je vais clear. Ils sont passés, armés. Regarde le couloir, j'étais. J'y vais, couloir. Non, je suis rentré sur B. Bravo, on a pris. Passe dans la rota en courant, il vient plante. Si j'ai une ligne, je vois pas, ils sont pas dans le couloir. Ils ont pas posé un TP plus que d'y aller. Ah, ils ont reculé. En face, couloir. En face, Maverick en face. Comment ça se fait qu'il passe le micro là? Maverick, c'est pas fait pour moi. Le micro. La cover qui était mauvaise. Regarde, c'est pas normal. Hein. Moi, je regarde tout d'un coup sec et je le vois dans le couloir mémorial. C'est pas normal. Hein. Et ben moi, j'étais bleu. Hein. J'ai derrière la bombe A. Ils peuvent pas rentrer comme ça. Hein. C'est la merde hein, là. Franchement. Surveillance. En fait, là, on est trop stressé parce qu'on sait que Arthos et GT sont et Mosse sont forts, ok. Mais c'est pas parce qu'ils sont forts qu'on doit prendre, qu'on doit paniquer et faire n'importe quoi et se mettre carré quoi. Enfin, si, faut se mettre carré, mais je veux dire par là que. Faut innover. Je vais peut-être prendre un castle, peut-être. Je t'explique. Ah non. Ouais. J'aurais pu s'expliquer, mais c'est pas grave. Ah, y en a qu'un. Prends des flashs. Hein. Ah, y en a qu'un. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? On reste fulfu plus à aucune strat, hein, je tiens à dire. Par rapport à quand on était moi et Nitro avec
contre GT, on était beaucoup plus confiants que contre votre. Mais on s'en fout, les gars, faut pas se dire non, que c'est faut eux. Pas en perdre, faut pas perdre cette confiance, faut pas perdre cette confiance. C'est ce qui nous a. Ce nous a réduit à. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas à se dire que c'est eux là en face. Hein. C'est des joueurs, allez, on les pète, point barre. Voilà. Faut pas se foutre le stress là, faut pas se foutre la rate au courbouillon hein, en train de se dire. Oh, Si tu veux Nitro, là je peux mettre plus un casse là, hop. Ouais, ouais, mets-le par où, c'est moi. Il reste 10 secondes. Ok, GT, tu restes derrière la Mira sur Alpha, s'il te plaît. Localisé par Alpha. Il reste derrière la Mira sur Alpha. Ouais, là, la Mira que... tu m'as mis. Alpha progresse pour désavancer. Ok, Nitro, si tu veux rester dans le garage. Ah non, tu restes pas dans le garage, ok. Et vous pouvez mettre des barbelés à escalier, s'il vous plaît. Je vais le garder, je vais le garder. J'ai encore un casseur. Les gars, ça arrive. Nitro, est-ce que en même temps, tu restes en bas, Nitro, quoi. Nitro, tu vas en bas. Hein. Je vais dans le garage. Ça arrive, lounge, les gars, lounge. Ah, t'aurais dû me dire que t'allais dans le garage, t'aurais mis le mira, t'aurais mis la mira dans l'autre sens. Je pense qu'il y a moyen de monter les escaliers. Ah, y'a mira. Moi, un drone. T'aurais dû me dire, Nitro, que t'allais dans le garage. Là, c'est. Je voulais pas y aller, tu vois. T'es sûr, hein. Ouais. Oui, y'en a un bagarre là-haut, je mets un tir de pression, garage. Diffuseur SKS. Ah. Moi je suis toujours derrière la Mira Alpha. Je vais mettre un manteau, c'est SKS. Merde. Allez. Oh là là. Doucement, on crie pas. Vas-y, pas, Mirto, c'est dangereux. J'ai loupé mon manteau, c'est SKS. Doucement, on s'en fiche. Donnez pas des trucs qui servent à rien. Bon, calme. J'ai quoi comme drone? Plus de drone. On est trop stressé, on fait pas de strat là, on fait plus rien, on réfléchit plus là. C'est mauvais. Vous avez des infos cam? Aucune info, je reste sur. Prends les cams, j'étais s'il te plaît, t'es le plus safe. Ouais. Je répète, du coup, il est launch. Vous avez reçu pour launch? Non. J'ai mis un petit tir pression. Je le pulse. Capteur cardiaque. Je le vois, il est en dessous. Ok. Il est en dessous, il est lounge. Non, c'est bien dessus. Ça va flasher. Je flash. T'as tué. Prends la revenge. J'espère. Non, il est mort. Il est tout dans ta zone. Il est mort. J'ai très mal joué. Ouais, je pensais qu'il allait remonter. Il est repassé par dessus. J'ai fait un très mauvais choix. C'est abusé, hein. Ouais, ils prennent pas les balles. C'est dommage, Motsu, t'aurais pu les avoir. Ouais, c'est trop dommage, là, putain. Là, là quand tu te le sais, là, tu l'aurais rentré dedans, tu l'aurais tué. Tu peux prendre le écho, je vais prendre le tranquille. Et GT, tu reprends un castle, s'il te plaît. Les gars, je vais prendre le 6-pick, je vais faire le 6-pick, je vais faire, je vais mettre un digi. Comme ça. Change. Ah oui. On refait la même sur Allemande, ok? Patiente, j'ai besoin de toi. La même. GT, il faut que tu fasses un trou de rotation entre Allemande et salle de sport le plus à gauche possible. Au niveau des deux fenêtres. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois. Ensuite, je vais poser des. J'ai pris le bouclier. Hein. Et il faudra que tu joues au niveau des escaliers nord. Je vais te mettre après escalier. Ouais, pas de soucis. Alors déjà, je te fais ton trou. Ni trop là, bouge, j'ai fait le plus à gauche possible. Ouais. Ici. Ouais. Hop. C'est fait. Après, du coup, je vais castle. Qu'est-ce que je peux castle? Castle S, tu castles S dans la chambre. S dans la chambre. Je castle l'ouest, virtuose. Ok. Tu castles la fenêtre, les deux fenêtres Alpha et Bravo. Alpha et Bravo. Allez. Chambre. Prends un ouvreur. Et du coup, on a pas de soucis. Et vous avez renfo. Vous avez renfo ouest. C'est trop tard, j'ai déjà sélectionné. En tant que renfo de mur. Ouest. Ouais, c'est bon, vous l'avez fait. Ouest. Bientôt, tu peux me faire des pets en haut. En haut du mur, connecteur, salle de sport. Non, mais ici, non, pas ici. Là où il y a mon drone. Renfo le travaux, bien joué. Oh, j'ai renfo. Renfo, non, pas ici, j'étais pas ici. T'es sûr? Les travaux sont dégueulasses. Ouais, allez les gars, allez, stop, on arrête de dire des trucs de merde là. Ils sont au top les gars. J'ai ping 1, Capitao et le deuxième. Capitao, place les gars. C'était tu cours là, tu cours, ok? Non, j'ai un contact.
On est trop mal organisé. On est trop mal. Il y a quelqu'un frappé, je suis mal. Voilà, il m'avait vu. Évidemment. Évidemment, il m'avait vu. Hein. Mais je traversais, j'étais mort. Dans les deux cas, c'était compliqué pour moi. Non, mais Allemand, bouge, garçon, bouge. Si tu bouges, c'est trop mal. Non, 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 je vais, les... je vais leur laisser. Non, il va te nade encore. Il va te nade. Ah non, c'est bon, tu peux rotate, ok. J'ai besoin que tu prennes. SK, un drone. Nade. On bouge. Il a plus d'élite. Attention, pas. Je suis rentré. Ça arrive du coup, ça drop, c'est dans la pièce. Bon, localisé par Alpha. D'accord. Ok, le dernier est dans les toilettes. Si ça vous tait. Patiente, hein. Prends tes drones si tu veux. Il y en a un qui est sur allemand, il a la mère allemande. J'ai du feu. Ok. Ça passe par la rotate du coup. Patiente, on a une rotate, on a quelqu'un, ça casse le castle, ouais. Castle est, sud-est et à la rotate. J'utilise ma deuxième arme. Vomblade. Sledge. Si tu veux, tu peux garder ton drone. Hein. Ouais, garde tes drones. Garde tes drones. Seul clear. Voilà, on garde tes drones. Ça te drone fenêtre. Je vais vérifier une rota dans les toilettes. De la chambre. Pas de rota dans les toilettes. Sud et le sledge, il est dans la bande. Voilà, effectivement. Il y a sud et nord-est. Je confirme. Le sledge rentre dans la chambre. Vas-y, on rentre là, prends-le et j'ai la ligne. T'as un tir croisé là. Il y a des décalages de l'âme. Est-ce que je t'ai fait le tour de ta salle de bain? Putain, ça va chier. Planter. Normalement, je t'ai fait un tour de ta salle de bain. Il va nous écho. Ça plante. Ça... Ah non. Je vais te chercher. Inutile. Sledge, on est d'accord. Ça te brûle. Non, je brûle. S'il est sorti. Vas-y, il est là. Non, dommage. Putain. Putain, moi, j'ai beaucoup de mal à la fois expliquer la stratégie. À expliquer la stratégie. Mais les gars, mais déjà, je comprends pas pourquoi on se fait dans la salle allemande. C'est sûr qu'ils allaient péter la trappe, c'était sûr. Bah moi le temps que je renfo, j'ai renfo trop tard. Je me suis flash. J'aurais pas dû renfo là-bas. On fait n'importe quoi là. Abusé. Clairement. J'aurais même dû... Allez, moi qui peux jouer. La première smoke. Il prend un capitao. Je me barre direct. Ying. Waouh. Wow. J'étais garde à truc, pas mal. Et Nico, tu peux prendre. Si on m'avait smoké à la place de mettre le feu, putain, moi, il est 6 je prends la smoke, je me barre. Fermez l'agent. Il faut de quoi ouvrir. En fait, moi j'ai du mal à la fois expliquer la strat. Mais oui, ça veut jouer sans Jaeger. Mais en plus, tu parles trop quand j'explique ta strat. Ouais, c'est ça. Grâce au gru, j'ai tué. Va, dis pas des trucs, des phrases longues. Fais des trucs. J'ai droné, il bouge pas en fait. J'étais à leur pause, je leur mets une gueule. Du coup, à chaque fois, quand j'ai ça, je suis pas dans le timing. Quand on est pas dans le timing, bah, on se fait en début de round, comme ça, c'est. C'est ça, c'est un on a de là, et là en face. Okay. Et là en face. Je voudrais que tu pètes les là. Garde ton drone, Twitch, hein. Tu les pètes les là. Je vais mettre mon drone dans le game. Alors, les gars. Je vais mettre mon drone travaux. Il reste 10 secondes. On doit prendre possession du garage. Hein. On doit prendre possession du garage. Donc pour prendre possession du garage, on peut faire la strat de base. Tu la connais, les trucs. Il y en a un qui est sur le garage et l'autre qui fait le trou de Ibana. Là. Sauf qu'on n'a pas de Ibana, mais c'est pas grave. On peut le faire ça avec Twitch. T'as une clé mort ou des charges? Allez, tout sur toi. J'ai des charges. Ok, nickel. J'étais. On va au clair. On va au clair, tous au top. On prend le garage, on ouvre le T1 et on plante. Et voilà. On fait une ouverture entre nous. GT, ce que tu vas faire toi, suis-moi. Ouais. Déjà, c'est plus clair, allez hop. Le Nitro, toi, tu vas porter garage. Déjà, on joue le garage. Déjà, ouvre le T1, ouvre-moi le T1 de base. Nitro. Elle descend avec moi, GT. Normalement, tu peux ouvrir le T1. Hein. Est-ce qu'il y a des mutes ou pas? Attends. Ah, incroyable. Les balles que je lui mets, quoi. Bon, t'arrives. Et comment ça se fait qu'il a su qu'on était là? La cam est pas détruite? Bah, si, j'ai fait ça. Il y a du mute. Je vais prendre le. Ah bah, merde. Je peux pas l'ouvrir, il y a du mute. Je vais droner le garage et. Il a petit maximum. Te laisse. Je vais aller dans le garage. Reste sur le terrain, je vais prendre le garage. Il faut que je prenne le garage. Bombe a été localisée. Il y a un drone qui arrive par le garage, il est rentré sur BP, serveur. Il est sur. Vas te faire, bravo. Tu vas te faire mute. Oh non, il y en a. Dans les deux, il y a de partout du mute.
ça rend de garage. Ah non, il faut couvrir le terrain. Je vais te détruire les mutes. T'en fais pas, Nitro, je vais te détruire les mutes. Je fais une fake aussi sur le train. Non. M'avance top garage, sous top garage, je m'avance et je vais détruire ta mute. Je vais faire une fake. J'ouvre fake sur le travaux. T'es prêt à wallbang ou pas? Dis-moi quand t'as pété, allez. Dis quand je fais péter le C4. J'ai un signe Mentos. J'ai fait du Mentos. Il a fait un garage, top garage, il a fait un. Il est dans le garage du coup, Capitao. C'est moi qui ai du bon. Je vais mettre du feu et je vais aller planter. Tire, tire, tire. Attends, allez. Attends, deux secondes. Je drop. Vas-y. Fini. Vas-y, vas-y. Je vais faire pression. Je vois ça. Ah, trop bien. Derrière moi. Il est sorti par les travaux. Il est allé par les travaux. Punaise. Oh, bien joué. Il est même pas allé par travaux. Okay. Et est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse un fake Ah, il est passé par le garage, c'est ça. Ouais. Qu'on fasse un fake flamme et un fake plante, parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'on plante dès le début de nos carreaux capitaux. Merde. Désolé, faire bouger. Foot. On fait quoi? En gros, je veux jouer la verticalité et on fait une classe. Si vous faites une classe plus 2, je joue la verticalité, ok? Toi, tu sais planifier, tu peux le tuer bien avant. On fait une classique. Il faut surtout pas que tu perdes ton drone, Twitch. Bim bam bou. Ouais, ok, compris. Je mets la clé mort. La clé mort ou les flashs? Les clés mort, hein. Clé mort. Avec. Les gens avec les compétences de l'autre côté là. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. T'as un 2-2, c'est bien. Mais on est plein sur gagner, faut clairement, là ils ont gagné, est-ce qu'ils peuvent rejouer le salon? Bon bah je vais jouer la verticalité, je vais poser mon drone au niveau du lounge. Faut que vous fassiez la procédure de base, on ouvre le terrain, et après on agresse quoi. On fait un truc très très classique. Il faut ouvrir le terrain et que vous preniez le garage, ok? T'as tout le temps tes breaches, j'étais en gros. Ouais, j'ai pas changé. Si trop tu sais comment le faire, tu lui dis de prendre de bridge sur les murs garage du côté ouest. Et prendre la ligne sur top garage. Tu vois ce que je veux dire? Les bridges, je vais attendre l'info et puis et après le tien, ouais, je vois parfait après. Pitié les cams. Je vais placer un drone sur vous. Bon, du coup, Nitro, faut que tu te débrouilles avec. Il est dans le garage. Okay. Attention, il est dans... Allez, hop, voilà. Là, tu l'es... Donc, j'ouvre le T1, je fake le travaux. Non, pas besoin de fake le travaux, on fait pas de fake. On fake pas le travaux. Ça fait pas trop de temps et tu risques de faire. Pourquoi ça fait pas trop de temps? On a deux charges, je vais les utiliser. On a deux charges, on les utilise. Si tu veux fake le travaux, vas-y, let's go. Moi, je vais aller en bas, je vais la verticalité. Attends, ouais, du coup, Il a mis une. Sinon, je peux vous aider à faire le garage. Je peux faire le garage aussi, hein. Comment c'est? Est-ce que c'est mute à ton avis? Sûrement. Ouais, c'est mute. Si vous avez besoin de faire le garage, dites-moi maintenant, je peux commencer à le faire. Nitro, si tu mets à la porte, je me mets. Mais on peut vraiment rien faire, hein. Je peux pas balancer un drone. Attends. J'ai mis la clé dans le garage. Ok. Je vais aller. Vas-y, fais du bruit à la porte, garage. Fais du bruit à la porte, garage. Je vais essayer d'aller détruire le garage. Ouais, j'ai fait mes ouvertures. Nitro, agresse le garage, s'il te plaît. J'arrive pour agresser le garage. Par contre, si ça revient à garage, moi, je pourrais peut-être le sortir. Je sais pas ce qu'il y a à garage. Je redrone le garage. Je sais pas où il est, en fait. Agression. Les top garage, c'est mon ping. Top garage, c'est mon ping. C'est à toi de la garage. Top garage, c'est mon ping. Elle a pris des balles. Moi aussi. Forcez-le à revenir, je peux l'avoir après. Je peux l'agresser, j'ai perdu de la vie. Elle aussi. Il faut la forcer à revenir parce que moi, du coup, elle est en tir croisé avec moi. Je vais rentrer dans le garage, Forcez-la à revenir. Elle met de la vie encore, elle m'enlève. Forcez-la. Bien joué. Okay. Faites la procédure, je vais jouer la verticalité. Je balance mon drone Twitch. Allez, j'ai besoin que tu pètes. C'est bon, le mur il est détruit. T1, tu peux y aller.
Va péter l'autre, va péter travaux, il faut que tu pètes travaux absolument. Le mur travaux absolument, GT. Ouais, j'y vais. Deux secondes, mais faut pas que je me fasse. Est-ce que vous savez où il est? Allez, GT, allez. Il n'y a pas de mur de travaux. Il n'y a pas de mur de travaux. Non. J'ai besoin d'informations pour savoir où il c'est est. Hein. Travaux, qu'est-ce que tu. Serveur, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Je peux ouvrir. Il y a encore du mute, hein, il y a du mute again. Il doit peut-être être. Ah, d'accord, dans l'angle, je détruis. C'est bon, tu peux y aller. 15 secondes, les gars, 15 secondes. C'est ouvert. Allez, 10. Il faut aller planter maintenant. Je vais traverser. BLB, je traverse. Feu. Vas-y, monte. Il y a un écho, écho. Touch. Ah, il n'y a pas de touch. Ça plante. C'est 4, je décale. Tu meurs. Il est où? Tu meurs en C4, il est en dessous, en dessous. Okay. Super les gars, j'ai fait perdre son C4 en dessous. Ok, je le vois pas en dessous. Hein, attends, faudrait que je me mette à une position plus safe. Putain, il va arriver par où? Vous avez un drone dessus? Oui, je crois qu'il y a un drone. Moi je suis en dessous du diffuseur. SKS. Ok, t'as un SKS. J'ai un drone sur le. Y'a pas d'SKS. Si, y'a un SKS. Les gars, j'ai le drone sur l'objet. Ok, parfait. Il arrive, serveur. Je suis mort. Putain, dommage. Il est sur la plante, il diffuse. Diffuse. Je te fais cut le speed. Bien joué. J'ai mis mon fait gun. Oh putain. Mais c'était chaud là. J'étais là. Mais j'ai pas la même chose. Dimanche soir, c'est la folie. Je vais faire une crise cardiaque. Il est trop mal organisé, les gars. Ah ouais, non, mais on a de la chance. Mais oui, mais vous, les gars, vous dites des trucs qui servent à rien aussi. Sérieux. Vas-y, je reprends le thermite. Allez, ils vont tenter un spawn kill. Soit ils jouent le spawn kill, les gars, soit ils vont jouer à distance. Twitch, vraiment, il faut que tu me drones à mort. Ouais, je l'avais pas vu le Twitch derrière la trappe à drone. Je vais tenter de rejoindre la verticalité. Je te fais pas. Alpha doit localiser. Moi, je me fais le plus de bombes possible. De toute façon, là, je cherche même pas à rentrer sur site avec mon drone. Je vais le mettre au spawn. Ils sont pas bas. Quelqu'un vérifie le top, je vérifie le basement. Allez-y, parce que moi je peux pas, je vais essayer mon drone. Trop précieux. Ça va, je... Ça va, ok. Il renforce le mur T1 du serveur, donc grand chance. Est-ce que c'est les mêmes avant? J'ai aucune idée. Allez. Les gars, il faut qu'on ait un max d'infos. Les drones, on les perd pas. On doit avoir 6 drones normalement. On prend le garage, on ouvre le T1 et on couvre le diffuseur par le garage, ok? On reste au garage, c'est-à-dire qu'il y en a un T1 et deux garages. Bien reçu, les gars? Dites-moi. Allez, je resterai T1 alors. Et toi, t'es avec. Non. J'étais, t'es avec moi. T'es avec moi pour le garage, ok? Et allez. Prends le T1. Donc tu me suis partout où je vais, Yann. J'étais, viens avec moi. Je te suis. Ils sont pas sur Objo, les gars. Bien reçu. Donc, ils doivent être en dessous. Ça veut dire que GT, quand on va au garage, toi, tu devras couvrir le bas garage. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver en bas, et moi je couvre le diffuseur sur le top garage, ok? Bien compris, je détruis les cartes défauts. S'il faut, il y en a qui peut sortir à tout le monde. On va drop par là. GT, tu me suis tout le temps. Ouais, je te colle. On vient tout de suite, pour le coquille, c'est bien toi, GT. Allez, let's go, on y va. Je vérifie. Non, je vais remettre une main. On se met derrière camon blanc et on drone, ok? Je me mets derrière camon blanc, tu drones, allez. Tu mettais tes deux un drone sur site, s'il te plaît. Clé mort garage posé. Je pourrais pas parce que. La porte garage, Nitro. Bon, c'est pas grave, reste sur ton T1. J'ai un thermite sur T1 placé. Le garage est clear. Ouais. Je vais aller détruire la cam garage. Non, viens, GT, on prend le garage direct. Je bascule ouest. Je voudrais détruire la cam. Ok. Par contre, est-ce que t'es sûr que c'est pas mute? Y'a une Valkyrie, les gars, Valkyrie. On peut être cam dehors, Valkyrie au trou. Toi, il y a le garage et pour rentrer dans le garage. Allez, et ben go. Vas-y, rentre par la porte. Va de l'autre côté, ouvre la porte. Ça sort. Je me cache.
Non, il est remis, du gars, il est remis, c'est bon, t'inquiète. T'as un client très loin. J'ai vu sa cam, j'ai pété sa cam. J'étais, tu rentres garage, s'il te plaît, tu vas top garage. Il est rentré. Tu fais une bridge sur mon ping, tu bridges mon ping, s'il te plaît, moi je protège ton bas. Normalement. Allez, c'est parti. Tu bridges, ok, et t'enlèves les mutes, il y a des mutes, donc il faut plus ouvrir le terrain, ok. Et je bridge de quel côté? Valkyrie serveur, Doc mort, tu bridges au milieu. Valkyrie serveur, la dernière. Valkyrie serveur. Je bridge, joue. Tu bridges et après tu te tires loin, mon garage. Je bridge. Ok, t'as pas vu, c'est pas grave, je vais faire moi-même. Merde, ça a pas marché. Je vais faire moi-même. Tu vas à fond garage et tu protèges. C'est mute, ça veut pas ce bridge, à moins que ça a déconné le serveur. Va, viens sur moi. Attends, je vais re-essayer. Non, ça veut pas, il traverse. Il a juste pété ta charge. Il a juste pété ma charge. Viens couvrir le bagarre. Viens couvrir le bagarre. Allez, vas-y. Couvre le bagarrage. T'as ouvert le terrain, maintenant tu peux planter normalement. J'ai planté. Okay, J'ai bagarrage. Je tiens la porte bagarrage. Le top, c'est moi qui l'ai. Bagarrage, j'ai fait le garage. Bagarrage, j'ai. Faut planter là. Elle est morte. Je l'ai. C'était laborieux, c'était très très laborieux. T'avais peut-être pas compris le plan que je voulais faire. Moi ? Oui. Bah je... Si pour moi, enfin c'était clair. Mais... On a dit y a pas de lui. Pourquoi tu veux que ça soit... Allez. Je pense que j'ai encore du mal à énoncer mes plans et à bien faire comprendre. Tu fais des phrases longues, je trouve. Dis pas, il faut y aller là. Tu dis nord, ouest, tu dis une direction directe. Pas besoin de faire une phrase. Ouais, ok. En fait, je vous reste la strat en gros. Donc, je sais pas si t'avais... Nous, on prenait garage. Il y avait un de nous dans le garage qui surveillait le bas garage, c'est-à-dire porte garage et échelle garage. Et l'autre, il faisait le trou entre top garage. Comment ça crie ? Il faisait le trou de rotation top garage, ok. Et ça veut dire qu'on était deux à couvrir le garage. Toi, tu ouvrais le terrain. Depuis le terrain, tu courais. Ou même, ça aurait dû être nous qui allons. Prendre le diffuseur et aller planter spot de base. Et nous, on protège le diffuseur depuis garage. C'est-à-dire que personne ne peut nous niquer garage. Ouais. Et toi, t'as le terrain Nitro. Voilà. Voilà. Et on prend son. Bon, du coup, je suis revenu dans le channel. Moi, j'ai quitté le direct. Ouais. Sinon, t'écris ce que t'as ressenti, GT. Sinon, tu dis deux mots, après, tu décroches si tu dois bouger. Ok, bon bah j'écris dans le channel et après j'y vais les gars. Ok. Allez, merci à vous en tout cas. Ciao. Ciao, ciao, bye, bonne fin de week-end. Merci. Faut démuter les autres maintenant. Ouais. Je vous laisse commencer les Virtuos et Nitro. Nitro, vas-y, d'autant que Virtuos soit moi. Je sais pas si vous ont démuté Motseu et... Moi j'ai démuté Motseu. Ouais. Je t'ai démuté. Ah merde, je suis muté. Non, c'est bon, t'es démuté. Bon. Okay. Nitro, commence ton analyse. Franchement, c'était... C'est parti en cacahuète plein de fois. Hein. Il y a des trucs qui sont pas tenus. On a des lignes, juste une ligne à tenir. Il y a des trucs qui rentrent, ça devrait pas rentrer. On se fait ouvrir, on s'est... Sur la première game en dessous, ça devait pas rentrer. Hein. Il y avait une Mira. J'étais sur l'armurerie, il avait la ligne et c'est rentré. J'ai vu que c'était rentré pour le mémorial. Ça, on a merdé. On a dit, on bouge pas nos positions. On a un truc à se focaliser dessus et ça a pas marché quoi. Donc déjà, ça commence à partir un peu en cacahuète là. Ensuite, quand on énonçait les plans, il y en a, ils écoutaient pas, ils parlaient plus. GT parlait plus, je trouve. Il paniquait alors que ça en valait pas la peine. Et il y a des moments, les plans, ils étaient pas clairs, quoi. Enfin, on a perdu du temps. On a perdu nos moyens. On a bégayé. C'était pas fou, hein, franchement. Moi, c'est en ça fait, ce que j'ai vu, hein. En fait, c'est que on perd trop de temps et à énoncer les plans. Moi, j'arrive pas à bien dire les plans clairement et bien dire les infos clairement. On perd beaucoup de temps sur ça et on se focalise. Moi, ma tête, elle est dans le plan. Elle est de comment on va les attaquer, comment on va planter, comment on va faire ça. Donc, du coup, en faisant ça, je suis à la fois dans ses pensées, à la fois en train de devoir dire à GT ce qu'il doit faire. GT, il me dit, je peux pas. Donc, du coup, ça me met encore plus de pression et je dois en plus me focaliser sur le fait que je dois moi aussi faire ce que j'ai à faire, quoi. Oui.
Mais je galère un peu, du coup, je commence un peu à m'embrouiller. Du coup, Virtuos, tu apprécies la qualité du lead qu'on te propose depuis plus d'un mois. Exact. C'est clair. Exact. Parce que c'est horrible. Horrible. Ouais, je comprends. Maintenant, je te comprends, en fait. Je sais pas, Motsu ou Arthos voulait dire un truc. Si, c'est bon pour vous. Ouais, c'est ok. Il faut être plus précis dans les trucs qui vont pas, hein, parce qu'après, comme j'étais pas là, il va certainement regarder le truc. Et voilà aussi, et comme j'étais ne joue pas souvent avec nous, c'est que il connaît pas forcément toutes les. Après, j'en sais rien, mais il connaît pas forcément tous les trucs qu'on fait en général, qu'on répète et qu'on répète quand on joue ensemble, quoi. Ouais. Des fois, en fait, je sais pas si j'étais quand je lui dis qu'on va faire ça, je sais pas si dans sa tête il visualise à peu près ce qu'on va faire et qui sait du coup comment bien se positionner en fonction de ce qu'on va faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien que tu lui dises les choses. Puis Nitro aussi, tu aurais pu expliquer, hein. T'aurais pu le dire, hein, si t'arrivais mieux à est-ce dire. Dis-moi sincèrement, Nitro, est-ce que quand le dernier round, là, le plan qu'on a fait, est-ce qu'il était clair pour toi ou c'était. Moi, c'est clair. Ok. Pour moi, tu touchais par le garage, tu couvrais la cash room et moi, je tenais le terrain. Du coup, personne pouvait venir nous déloger le garage. Bah, non. Qui gardait le bas garage et l'autre le top garage. Donc, c'est juste que il panique, quoi, clairement. Il panique pour rien. On a dit, il n'y a pas de mute. Il dit, mais si, c'est muté. Mais en fait, c'est que la Valkyrie lui mettait des travers. Et mais oui, elle pétait juste la charge. Ce genre de truc, c'est que j'ai en tête, je me dis, putain, mais j'ai pas le temps. Enfin, si j'ai le temps. Je sais pas si j'avais le temps de lui dire, mais en fait c'est la Valkyrie qui te met des travers et. Enfin voilà quoi. Bah, tu lui as dit à un moment, Nitro, hein, que c'était la Valkyrie. Je lui ai dit calmement parce qu'il a commencé à paniquer, clairement. Il avait, j'ai l'impression qu'il avait trop en tête que c'était Motsu et Arthos, que c'était les très forts. Il était persuadé en fait qu'il allait se faire péter, j'ai l'impression, dans ce qu'il jouait. Qu'il était pas serein, qu'il avait peur d'exécuter le plan en fait, c'est clair. Et toi, là, t'en penses quoi de ce qu'on a fait, enfin de ce qu'on a proposé, de la façon. Attends, je laisse Motsu et Arthos dire leur ressenti avant. Ouais. Bah, c'est facile, je vous vois, quoi, donc c'est très facile. Ah, mais je sais pas s'ils sont là en fait. Vous êtes là ou pas? Vous avez muté? Arthos, tu veux dire un truc ou pas? Une remarque? J'ai même pas, peut-être Arthos, il est même pas là. Si, allô, je cherchais un truc dans la cuisine. Tu penses quoi de leur game? T'as des trucs que t'as remarqué, que tu veux dire pour qu'ils s'améliorent? Ouais, ils s'améliorent bien. Vas-y Arthos, sinon Motsu il commence et puis tu vas avoir des idées peut-être après, je sais pas. Moi pour ma part, je suis quand même content de certains trucs parce que j'estime que j'ai pu renverser la vapeur à différents moments. Et j'ai eu différents créneaux. Où à la fin, j'ai chié la finition. Où j'ai chié mon placement. Mais je pense qu'il y a au moins deux games où normalement, ça aurait été un mec qui jouait plus que moi. C'était mort. C'était fini pour eux. Et la dernière game, bon, j'ai lagué en plein assaut. Je sais pas si ça se voyait, Link, je sais pas, mais... Bah ouais, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le tue pas? J'étais en plein lag, en fait. Ok. Donc bon... Je t'ai vu te téléporter devant moi. Ouais, Donc, no comment. Ok. Après, c'est bien parce que le timing pour choisir les persos, moi, je suis pas du tout dedans, dans la sélection, là. Ouais, là même. Ça, c'est en classé, donc ça montre qu'il faut qu'on bosse ça. Et puis voilà. That's all. Sur leur manière de jouer, t'as remarqué un truc qui peut être cool, pas cool, pour qu'ils puissent voir ce qu'il faut qu'ils bossent, ce qui va pas. Ou des trucs que t'as trouvé cool dans leur façon de faire aussi. Bah, clairement. À un moment, je diffusais. Bon, ça faisait 20 ans, je savais qu'il y avait un gars en dessous. Donc, ce qui a été bien joué pour eux, c'est que j'avais pas vu le drone, j'ai été spoté, donc j'étais mort. Ouais. Mais globalement, moi, ma strat, c'était
quand ça a commencé à tirer, c'était de choc un des mecs. Parce que je sais, et je le redis, j'étais quand il y a du sang qui gicle sur sa figure, il ferme les yeux et il se couche à terre. Donc je savais que qu'au moment de l'assaut, avec un peu de bruit, un peu de paillettes, je savais que j'étais, il courrait pas d'une façon ou d'une autre. Donc après, j'identifiais en gros qui était qui. En bas, il y avait Virtuose. Virtuose, il jouait un petit peu seul. Et puis en fonction, ben, j'essayais de choc sur un des mecs. Mais après, j'arrivais pas à finir les autres, quoi. Donc, pourquoi j'arrivais à faire ça? Parce que il y a des endroits où on n'aurait pas dû rentrer. Il y a des moves que j'aurais pas dû être capable de faire. De sortir pour tuer dehors. Ouais. Comment elle s'appelle? JT. Ben voilà. Voilà. Il y a des moves, normalement, c'était pas possible. Clairement, c'était pas possible de faire ça. Ben oui. Normalement, vous êtes censé trianguler. Donc voilà. Après, quand on est rentré en bas en assaut, bon là, l'assaut, il a plus parlé Arthos, donc j'ai pas trop vu comment il rentrait lui. Moi, je mettais un peu ma fumée, mes trucs. J'étais focalisé fumée, etc. Et puis voilà. À un moment, t'avais une opportunité, Nitro, c'est que Arthos, il a insisté pour que j'envoyais une fumée, mais j'aurais pas dû le faire, en fait. Quand t'étais Echo. Oui. En 1 contre 2. Oui. T'étais droné, on savait que t'étais dedans. Ouais, mais. Le fait que t'insistes, t'as un Capitao et t'as un vilain, c'est chaud. Moi, je l'aurais pas joué comme ça, personnellement. Et l'autre chose, j'ai fait une erreur, c'est que je t'ai envoyé une fumée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu pouvais t'enfuir, en fait. Mais en fait, je voyais rien, surtout. Bah oui, bah moi non plus. Non, il pouvait pas, moi j'avais la ligne. Enfin, et en plus, elle était pas trop mal envoyée ta fumée en fait. Il pouvait pas s'enfuir, s'échapper de la pièce, non. Ouais. Je l'avais, s'il sortait de la fumée, je l'avais. C'est donc, pour ça. La question c'était est-ce que t'avais une rota ou non? Et en fait, t'avais pas de rota non plus? Non. Donc t'étais vraiment enfermé. J'ai demandé la rota. Ben voilà, la rota t'a tué. Parce que nous, on a pris notre temps de droner. Regardez, y a-t-il une rota? Arthos m'a demandé le call, y a-t-il une rota? On a pris le temps de regarder. Non, y a pas de rota. Donc voilà, lui il avait une ligne fermée, etc. etc. Voilà. Donc voilà, faut penser à ces choses-là. Surtout Echo, si tu joues Echo, faut t'imaginer que t'es en 1 versus 2, quoi. C'est la fin, t'es en 1 versus 2, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Arthos, tu veux dire un truc? Non. Peut-être sur la qualité des tirs. La qualité des tirs, peut-être, tu peux dire, au niveau duel, Nitro t'a tué. Comment tu le trouves? Je sais pas qui t'a tué d'autre, hein. Je l'ai vu. Je me souviens plus. Dans le duel au garage, c'était chaud. Moi, j'ai bégayé. Quand j'avais pris le bug, j'ai tué une... Et là, dans le garage, je crois que c'était du coup Arthos, j'ai bégayé. Arthos, est-ce que je t'avais mis des balles quand on était dans le garage? Je me souviens plus, tout ce que je me souviens c'est que j'ai tué personne qui est rentré sans droner, donc ça c'est bien. Ouais, c'était bien joué. Ouais. Ça rentrait pas à l'arrache, ça prenait. J'étais full drone. Et du coup pourquoi t'as insisté à ce garage de merde? Je sais pas. J'ai apprécié être dedans. C'était pas l'endroit le plus cosy qui soit. Merci parce que je voulais faire du 1 contre 3. C'est j'ai été servi dans toutes les games. Dans toutes les défenses, j'ai été servi. Merci. Dans ma tête, je me disais, Arthos me fait un clin d'œil. Merci. Et j'ai pas réussi à relever les défis. Putain. One inch, il manquait ouais, c'est vrai. Le truc, c'est qu'à chaque fois, Motsu, t'as, je sais pas, un move, par exemple, quand tu montes escalier, Arthos arrive escalier, je crois qu'il arrive pas à avoir Virtuose, je crois. Il a failli t'avoir, Virtuose. Virtuose, elle diffuse. Ensuite, Motsu, tu reprends l'escalier. Tu tues Virtuose, je crois. Après, comment t'as tué GT?
Ah ouais, justement, t'as pas tué les deux, mais t'aurais... Nitro, il a lancé le C4. Tu courais sur le Nitro pendant qu'il lançait le C4, je pense que tu tuais Nitro. Ça, j'ai vu. Et je pensais que c'est ça que t'allais faire. Mais toi, dans ta tête, je pense, moi, dessus, tu te disais, le mec est en dessous. Ouais, le voilà, pulse c'est... est en dessous. Et pour c'est moi, ça. Il montait les escaliers pour, coup... pour me jouer. Du coup, quand il a lancé le C4, t'as pas capté que c'était le mec en face de toi qui te lançait le C4? Ouais, moi aussi. En fait, Virtuose m'avait dit, il est SK Est. Je décide de prendre le C4, l'envoyer. Et il a couru à fond vers moi et il est là, reparti. Là, c'était chaud, ouais. Dommage que tu sois reparti. T'as avancé, t'aurais tué Nitro et là, j'étais dans le caca. Je sais pas comment il aurait géré le truc. Ouais. Voilà. Ça, c'était bizarre. Alors... Et puis Arthos qui rentre en plein milieu, les gars, c'est grave, hein. Arthos, il descend les escaliers. Il a même pas de fumée. Je crois que t'es rentré sans fumée, mec. Il a fait la trappe, il est sauté. Ouais, il a tiré sur toi, Virtuose. Ensuite, il est allé dans le couloir devant Tamira. Je sais pas si moi, tu te rends compte. C'est rentré couloir, comment ça se fait? Il est passé devant Tamira. Hein. Il a sauté de la trappe moto. Ensuite, il est passé devant Tamira. Il est allé dans le couloir. Il est allé jusqu'à la rota du... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'as pas du tout compris le move de... Il y a une panique attitude qui se passe. C'est que vous êtes plus lucide sur ce que l'ennemi fait. Du coup, Arthos, il rentre tranquillou. Il tue le mec qui est sur B. Ouais, moi, j'ai pas... En fait, de base, j'étais concentré sur le gars qui était porte ouest. Mais c'est Arthos. Non, c'était pas Arthos. C'était Arthos. Oui, c'était... c'était... Il a drop mémorial. Et ensuite, je l'ai vu passer. Et là, j'ai commencé à paniquer. Et j'ai mais tu te rends compte qu'il est passé devant Tamira, Arthos? Ouais, mais ça... C'est franchement, ça, j'étais ouf. Choqué. Hein. J'ai dit, ils ont pété le castle ouest. Et là, je dis, ça va rentrer. Le gars est rentré, j'ai dit, moi je tiens le bleu, ça doit pas rentrer quoi, il y a une Mira, c'est pas possible. Ou alors on l'annonce au max. Ouais. Au minimum, faut l'annoncer. Je sais ça a même pas été annoncé. Comment... Heureusement que j'ai fait un petit trou pour voir qu'il était rentré quoi. Ouais, le petit trou, ouais, c'est vrai qu'il est. Je sais pas comment ça se fait que Arthos soit rentré. C'est pas normal, ça. Et après, non seulement il est rentré, mais Motsu aussi a pris le même chemin. Il y a un mec qui passe en courant. Arthos, il rentre. L'éclair, le voltigeur. Voilà les gars, non, viens Motsu, passe. Arthos, t'as eu chaud à ce moment-là, parce que je t'ai tiré dessus et c'était à deux doigts de te toucher. Bah ouais, je pensais que Nitro t'allais le tuer. Mais oui, moi j'ai pas capté. Il m'a hein. dit, textuellement, il m'a dit, rentre Motsu, c'est qu'il y a une ouverture à gauche. Avance le couloir, rentre. le couloir des braves. J'étais là, je disais non. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Rentre. Non, les gars, non, là, c'est grave. Il est passé devant ta Mira, Virtuose. Oui. Les deux sont passés devant la Mira. Le deuxième, on a... Il a mis le fumique, ouais, le deuxième, il y avait le smoke. C'était une Mira sans mur. Pas comme ça. Je balance une smoke, ça. C'était une Mira sans mur, du coup, j'ai rafalé, ça a dû le faire bouger, j'en ai profité. Parce que les Mira sans mur, tu peux toujours faire un peu bouger le mec. Et du coup, tu t'es fait avoir là-dessus, quoi. Tu rafales au niveau des jambes. Il faut que tu... Voilà, faut que tu tiennes la position, parce que t'as vu, il est... tu verras la vidéo, Virtuose. C'est ouf comme il est passé, hein. Il est vraiment passé. Et puis après, c'était compliqué. Après, j'ai aimé ton idée de passer par le couloir. T'as failli choper Motsu en train de planter, mais c'était pas encore fluide. La logique n'était pas encore fluide dans ton esprit. Du coup, t'étais un peu hésitant, mais t'aurais déjà fait ce chemin-là dans ta tête, t'aurais fait le trou direct avec ton pompe, t'aurais tué Motsu tout de suite, et là, t'aurais joué une autre game, quoi. T'aurais pu remonter, couvrir le diffus depuis la cuisine, ou jouer un autre truc. Ouais. Mais comme c'était encore lent dans ton esprit, ça a pas donné ce qu'il fallait que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire? Le droning. Sur le droning, les drones, vous perdez trop de drones, les gars. Un drone placé, et j'ai vu aucun drone placé, vraiment. Moi j'ai mon drone un peu sur le garage. Mais tous les drones n'étaient pas. Les drones étaient cassés, ils ont cassé beaucoup de drones. Hein. J'ai vu beaucoup de drones cassés. La panique. C'est Arthos, machin. Vous faites le plan, on s'en bat les couilles si c'est Arthos. C'est. Vous faites le plan et. Sur ça, hein. J'ai l'impression. Il nous disait qu'il était focalisé sur ça, quoi. Ah, oh, c'est Motsu, c'est Arthos en face. Ah, il était comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il perdait clairement ses moyens. C'est Je rigole. Ça va exactement avec le personnage.
C'est que moi, c'est là, là, l'action qui m'a le plus choqué, c'est Motsu qui est tout seul contre vous trois, je crois, ou vous deux. Il est avec le Mut. Et je vois Motsu sortir devant la ligne de GT sur le mur T1. Même les plus grands scientifiques n'ont pas compris. Il sort. Et le truc, c'est que c'est vrai que GT, il dit, mais putain, faut, par où il peut passer? Il n'y a pas de mur. Là. Il est tellement... il sait qu'il a tellement peur de mourir, bah du coup ça brouille, ça le brouille. Alors qu'en temps normal, il te tue quoi. Mais regardez, c'est comme quand on était sur c'est dommage. Outback là, le mec dans les toilettes, il l'avait pas vu hein. Faut juste qu'il s'entraîne et qu'il accepte de mourir en fait. C'est simple, faut qu'on lui passe comment on appelle après, ça le truc de la 101ème, le gars qui a peur là dans le début de la 101ème et puis qui parle à Spike. Et Spike lui dit, accepte de mourir, voilà. Et là, tu seras un bon soldat, fais ton taf de soldat. Je pense que la moins d'entraînement que vous, parce que je vous rappelle, oui, vous étiez comme ça au début. Donc, ne chargez pas trop GT, alors que vous étiez pareil. Vous avez juste plus d'entraînement. Mais c'est vrai que Motsu, il arrive, c'est quand même violent de le voir sortir. Bon, tu l'as entendu ou pas, Motsu? Parce que t'es sorti, t'as tiré cache à gauche. Bah à droite, il n'y avait pas de place, donc il était obligatoirement à gauche. Ah ouais, t'es sorti comme ça. Et lui, il était en visuel dessus, quoi. Je vois pas de quelle action vous parlez, là, en fait. En fait, toi, t'étais en dessous avec ton buck, et t'as failli chier avec le buck. Oui. Failli chier avec le buck. Ah oui, j'ai eu peur. Je voulais prendre mon shotgun, sauf que en fait, j'ai fait un switch d'armes, parce qu'en fait, le switch d'armes et mon ulti. Enfin, mon ulti, ma capacité principale, c'est sur la molette, les deux. Donc, du coup, j'ai voulu prendre. Ouais, c'est clic de la molette. Et j'ai voulu prendre mon shotgun pour le déglinguer au shotgun. Parce que j'ai switch au pistolet, puis après, j'ai re-switch sur mon arme et je l'ai un peu fail comme ça, quoi. Voilà. Ok. Mais t'as failli louper, hein. Mutsu a failli désamorcer. Hein. Ouais, j'ai eu ça. Ouais, j'ai eu peur. Bah ok, je coupe là.